On y est. Amicia, ça va aller, t'es sûre? Oui. C'est seulement... Enfin, c'est bizarre de revenir. Allons-y. Je ne pensais pas revenir ici. Pas aussitôt, en tout cas. On trouve les potions et on s'en va. On rentrera peut-être même avant le lever du soleil. Ça me va. On ne peut pas traverser ici. Ce pont avait au moins un siècle. Tout a l'air complètement ravagé. C'est la fin du vieux monde. Comment tu peux rester aussi calme? Regarde, l'étendard de l'Inquisition. Ils sont encore là? Soyons prudents. Tombe pas, ne tombe pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, Lucas! Mais... qu'est-ce qui leur prend? Je sais pas, mais ça me donne la chair de poule. Ne restons pas là. Ils ne font même pas attention à nous. C'est peut-être une parade nuptiale. Certains animaux ont des rituels très étranges. Il y a une différence entre étrange et terrifiant, Lucas. Mais pourquoi pas? Ce sont des animaux. Je commence à avoir des doutes là-dessus. Lucas, on s'en occupera plus tard. Viens, il y a forcément une raison. On a fui la maison avec Hugo. Quelque chose s'en est pris aux gardes. Je crois que... c'est grâce à eux qu'on s'en est sorti ce jour-là. Je vois. Ça doit être un des premiers lieux d'émergence. Mais leur comportement est pour le moins étrange. Ils ne sont pas les bienvenus ici. Je vais leur montrer. Cordera, le domaine est droit devant. Il y a une chaîne de l'autre côté. Attends, la lanterne! Ils devaient l'utiliser pour faire passer leurs troupes. Bonne idée. J'aurai un angle de tir. Tu peux retourner en bas. Dis-moi quand t'es prête. L'âme de mère. Elle écrivait ses lettres ici avant de les envoyer par pigeon. Je peux pas le laisser là. Elle y tenait beaucoup. Je crois qu'elle serait touchée si tu le gardes.
Pas mal. Pas mal du tout. Lâche pas, hein. Je m'en sortirai pas ici, j'entends. Ça marche bien, leur système. J'y suis. N'oublie pas. Lucas, on n'est pas seul. Oh. Un garde. Il est encore en vie. Quelqu'un, à l'aide. Les rats. Toi, dis-moi, combien vous êtes ici? J'ai mal. Je veux pas crever comme ça. Comme ça? Vous avez exécuté ma famille. Tu mérites cette mort. Aie pitié de moi. Pitié? Je t'interdis d'utiliser ce mot. Je peux rien tirer de lui. Qui êtes-vous? Je suis la fille de Robert et Béatrice de Rune. Oh non. Oh, pitié. Pitié, je t'en prie. Silence! Je te laisse à ton sort. Ils sont déjà morts. Et j'ai assez de sang sur les mains. Oh mon Dieu, est-ce que c'est réel? Ma maison. C'est encore là-bas? Non. Non, par pitié. Amicia, on peut s'arrêter. Trouver un autre chemin. Non,
Je dois voir. Est-ce que c'est ton père ? Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Je devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû... Désolée. Je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, faites... qu'il repose en paix. Ce cadavre, celui sans armure, c'est un de nos servants. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je le savais, la brisure, ces remous continuent de se propager dans le temps. Elle aussi ? Oui, il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'était à ton père ? Oui. Du temps de ses guerres aux côtés du roi Philippe. C'est un grand chevalier. Alors il ne sera pas oublié. On y est. C'est là-haut. Oh, attention. On dirait qu'ils convergent tous ici. Ils vont vers sa chambre. Les potions pour Hugo doivent être là. Lucas, tu as vu ces pots ? De simples infusions.
Insuffisant. Il doit y en avoir d'autres. Alors, on y est? Oui, la chambre d'Hugo. Allons-y. Là, il y a d'autres pots. Tout est exactement comme avant. Non, c'est pas ça. Ça non plus. Oh, non, Lucas. Rien à voir. Pourquoi la chambre est restée intacte? Non, c'est pas ce qu'on cherche. Toujours rien? Non, tout ça, ce sont des potions ordinaires. Ta mère devait travailler sur un élixir bien plus complexe. Il y a forcément autre chose, un autre endroit, une autre pièce. Ça un me dit rien. Magnum, ça ne se fait pas comme ça. Elle a forcément un laboratoire quelque part. Je sais pas, je vois pas où. Laurentius, il avait installé son laboratoire à l'abri des regards. Ta mère, elle aussi, a dû... Elle me disait rien. Je la voyais jamais. Mais justement, il n'y a pas un endroit où elle ne voulait pas que tu ailles. Je sais pas, un endroit qu'elle protégeait. Il y avait les ruines romaines. Elle disait que c'était dangereux. Les ruines romaines? Oui, c'est bien une idée d'alchimiste, ça. Tu sais précisément où c'est? Dans le jardin. Allons-y.